Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve pour le 36e épisode sur Zelda Twilight Princess, toujours en qualité HD que je tourne et bien évidemment sur Nintendo Wii U. Donc très heureux de vous retrouver pour ce 36e épisode. On va faire un petit récap sur ce qui s'est passé sur l'épisode 35. On avait fait la première partie du donjon Celestia où on avait vaincu le mini-boss et on avait également pu récupérer le double grappin afin d'avancer sur ce donjon Celestia. Et là on va pouvoir s'attaquer à la deuxième partie de ce donjon Celestia et on va aussi pouvoir rencontrer le fameux boss de ce donjon. Avant de commencer, bien entendu, pensez à mettre un max de pouces bleus, les petits commentaires, ça fait toujours plaisir et ça permet de booster la chaîne Les Petits Phoenix où tu geeks, enfin tu cliques, tu geeks, tu likes. Et on est parti pour ce let's play sur Zelda Twilight Princess en HD. Let's go, on y va. On va tout déchirer les amis. C'est parti. Alors, on va vérifier. On va regarder tous ensemble où on en est actuellement. Donc, j'ai fait toute la partie droite du donjon, comme vous pouvez le voir. On a récupéré tous les coffres. Donc, on n'aura pas besoin d'y revenir. Ça, c'est fait. Affaire classée. Et maintenant, on va s'attaquer. Je me remets un peu dans le bas aussi, parce qu'il faut voir un peu où on en est. Voilà, on a toute la partie gauche, comme vous pouvez le voir, à effectuer. On a également la salle du boss qui sera au quatrième étage en face. Hein. Faudra qu'on aille tout là-bas. Mais là, je pense que ce qui va être intéressant, c'est de faire la partie gauche. La partie gauche de la map. Alors apparemment, je vois au rez-de-chaussée, on a un petit coffre qui est juste derrière nous, dans l'eau. On va le récupérer. Hein. Je croyais que j'avais déjà récupéré un coffre. Ah oui, je l'avais déjà fait. Hein. Mais j'ai zappé celui-là. Quel malheur, j'ai osé faire ça. Oh, honte à moi. Honte à moi. Comment on peut louper un coffre dès le début du donjon? Ce n'est pas possible. Clairement, ce n'est pas possible. Et c'est un rubis rouge. 20 rubis, c'est parfait. Donc on est déjà à 36 épisodes les amis, on en a tourné des épisodes hein, sur ce Zelda Twilight Princess. Donc vraiment très heureux pour ceux qui me suivent, ça fait toujours plaisir. Je vois que ça s'abonne davantage à la chaîne, ça aussi ça fait extrêmement plaisir. Allez on continue, on va combattre les vilains, ou là il y a du vent. Ah il y a du vent, j'aime pas le vent. Il a failli me gober. En 2 secondes il a failli me gober celui-là. Bon, ça, je vais en avoir besoin. On va le récupérer. C'est parti pour le petit saut. Alors, on va s'accrocher là. Tac. Oula. Oh le 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 le. Carrément. Je vais voir s'il n'y a pas des petits cœurs à récupérer. Bon ça va, je suis pas trop mal au niveau des cœurs, mais au cas où, on va prévoir pour pas être dans le mal non plus, c'est pas le but. Hein. Ah oui, j'avais vu qu'on pouvait activer. On va s'accrocher là, tout là-haut. Maintenant, du fait qu'on a le double grappin... Ah non, je peux pas. Ah d'accord. Si j'ai vu qu'on pouvait s'accrocher là-haut. J'essaie quelque chose. Parce qu'en fait, il y a un interrupteur qui est juste devant la porte. Et je vais voir si on peut s'y accrocher. Ce serait super. Non, je suis pas assez prêt. Je suis pas assez prêt, je suis pas assez prêt. Comment on va pouvoir faire? Parce que l'activer de là-haut, je ne pourrais pas. Alors peut-être en montant sur le côté. On essaye, on va voir ce qu'on peut faire. Je suis pas assez prêt. Ah, tu peux galérer là. Non, là je vois qu'il y a en fait, il y a une espèce de spirale qui tourne. À mon avis, il faudra qu'on y revienne plus tard. On va aller à gauche comme prévu.
va récupérer les coffres, puis on verra par la suite. Mais j'ai vu que là-haut, apparemment, il y a des... Bah, il y a une hélice qui tourne. On doit pouvoir... pouvoir la supprimer. Et là, on va s'intéresser aux coffres qui sont sur la partie de gauche. Oh, c'est trop classe de se déplacer de grappin en grappin. Vraiment trop cool. Là, on n'a rien de spécial. Je vérifie en même temps, au cas où. On aura bien un coffre au deuxième étage. Hein. Alors qu'on le récupère, même au troisième. Oh là là. Oh là là, tout ce qu'il y a en coffre, il y en a beaucoup. Hein. Ça rigole pas. Ok, alors où est-ce qu'on atterrit? Alors ici, on avait déjà fait apparemment. On va s'accrocher là. Je pense qu'il y a possibilité d'aller en face. Non, même pas. On peut pas. Apparemment, on peut pas s'agripper. Alors. Bon, je suis sûr, il y a possibilité de passer. Faut juste trouver le moyen. Est-ce qu'on n'a pas d'interrupteur qui se baladerait dans le coin là? Moi que je dois retourner en bas. On va retourner en bas, c'est pas grave. On va aller voir en bas. Allez, on saute. Ok, là on peut lâcher. Alors, je vois que j'ai un interrupteur ici, là aussi. Il y en aurait un là-bas. Peut-être que j'y ai pas accès pour le moment. Alors, on va s'accrocher par ici. Alors, on va prendre celui-ci. Il y a le coffre juste en face. J'espère que je vais pouvoir m'agripper. Ouais. Regardez. Et un petit coffre. Et que peut-être un petit ruby. Oh, des flèches. Ça change un peu. On a des flèches. Donc ce coffre-là, on l'a récupéré. Ça, c'est impeccable. Et maintenant, il faut qu'on retourne au rez-de-chaussée. Alors, comment on va faire? On va déjà s'accrocher par ici. Hop. Et ça grappe, les amis, ça grappe. Ça rigole plus. Attention. Là, on a grappé. Ok. Ok, il pleut des... De la gélatine, mes amis. Attention. On en prend plein la tête, plein la figure. C'est super. Alors, où je vais maintenant? Là, je suis passé par là. Ok. Il y a peut-être possibilité de remonter. Alors, je vois qu'on peut s'agripper là. Je vais essayer quelque chose. On doit pouvoir s'agripper quelque part. Là, il me paraît loin. Ça va pas marcher là. Comment on fait? Cela, je suis au sous-sol et j'aimerais aller au rez-de-chaussée sans trop de soucis.
Est-ce que je peux encore descendre? Alors, je peux encore descendre. Je sais pas si c'est une bonne idée. On va descendre. Oula. Ah, c'est pour ça qu'ils nous ont donné des flèches. Ok, je comprends mieux. On va dégommer les vilains pas beaux là-bas, là. Oula, il sort d'où, lui? Oula, j'ai failli tomber, je l'ai pas vu. Oh lolo, catastrophe, les amis. Je m'emmêle un peu les pinceaux. Par contre, ça me paraît loin pour grapper là-haut. On va essayer. Et sésame, ouvre-toi. Magie. Je recheck un peu la map pour être sûr de rien oublier. Ok, là, faut vraiment qu'on retourne au rez-de-chaussée. Donc, on est bien parti. Il me paraît loin. Attends, on peut se grapper là. Après, on va se grapper là. Et après, on va se grapper là. Oh, il y a un petit coffre juste à côté de moi. Je le veux. Comment on fait? Alors, on va passer par là. On va lâcher ici. Je pense qu'on est pas mal. Alors, je crois qu'il y avait deux coffres. Si je dis pas de bêtises, j'ai vu deux coffres. Il en reste un qui doit pas être loin. Le tampon de Baba. Ok, ça c'est récupéré. C'est pour la collecte. Oula. Donc, le prochain coffre, il est en face. Ouais, c'est un petit coffre. On va aller chercher ça. On va essayer de pas se faire avoir par le petit monstre là-haut, là. Le petit monstre qui se cache sous le carrelage. Alors, comment je vais pouvoir y accéder? Ça me paraît loin. Non, ça va. Tout va bien. Ça se fait tout seul. Vous obtenez 10 bombes. Ok. Elle est revenue? Ah ouais. Je croyais qu'une fois il était parti en l'air, il revenait plus. Ça c'est pas cool ça. Eh, c'est pas grave. On lui met la petite fessée. Impeccable. Allez, on va passer la porte maintenant. Oh, c'est quoi cette plante? Oh lolo, au secours. Au secours. Comment je vais vaincre ça, moi? Allez, j'ai fini. Ah, y a juste un qui essaie de me gober. Il m'a pris pour un moustique ou quoi? Il a cru que j'étais bon à manger. Alors on va lui lancer une petite bombe. Il va déguster ça. Tiens, c'est cadeau, c'est pour toi. Ça fait plaisir. Et boum! Ok. Alors j'entends toujours qu'il y a des ennemis. Elle est là. Alors, on va reprendre le petit grappin. On va bien s'équiper correctement. Et là, on doit aller où? Où est-ce qu'on doit aller? Mystère, mystère. Oh, je dois bien m'agripper quelque part, à mon avis. Faut juste trouver. Ah, ok. Ici, on avait un coffre. Hein. Ah, non. Par contre, au premier étage, oui. Où est-ce que je m'agrippe? Ah là. Oula, faut être très réactif parce que ça va super vite. Ok.
c'est carrément détaché. On a récupéré déjà le petit petit coffre, le premier coffre de cette salle. Il en reste... Ah non, il y en avait un au premier, il y en avait deux au premier, ils sont où? Effectivement, j'en vois un en bas. Alors, faut peut-être faire le tour, faut peut-être que je passe de l'autre côté. On va faire le tour, on va essayer ça. Alors, par contre, tu auras un souci avec les chauves-souris. Je vais essayer de... De one-shot l'autre carrément avec l'arc. C'est parti. Oh là là, faut que j'aille au feeling. Bon, déjà toi, c'est bon. Au feeling. Oh là là. Oh là 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 là. Quel professionnel les amis, regardez-moi ça. J'ai fait vraiment au pif. Je pensais même pas le toucher. Honnêtement, entre nous, je me suis dit, vas-y, je vais tenter, on va essayer. Et c'est passé. Comme une lettre à la poste. C'est magique, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. C'est merveilleux. Oula. Et ce qui va être merveilleux aussi, c'est que je vais tomber en bas, on va rien comprendre. Ce serait dommage. Oulala. J'aime pas les petites parois comme ça, là, où on se casse la gueule. Ça. Oh. Au secours. C'est bon. On a fait la moitié. Alors, je vais rechecker les salles parce que j'ai peur de zapper des coffres. Ouais, il en reste un au fond, apparemment. On va prendre son temps. Ouais, non, on peut y aller, là. C'est bon, ça passe. Alors, avant d'y aller, je vois les petites chauves-souris qui sont là. Ah, j'ai raté. On peut pas grimper, là. Non, je suis obligé de passer comme ça. Ah, j'espère que la plante va pas me sauter dessus. Hein. Sérieusement. Je m'en doutais. Oh là là. Et bon, impeccable. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce coffre? Vous obtenez un fragment de cœur, on en a 5, ça y est. On récupère un cœur entier. Et c'est pas mal là, on est pas mal niveau cœur. On a bien récupéré un sur ce Zelda Twilight Princess, ça fait plaisir. Allez, on continue. Alors je vois que sur la prochaine salle, juste en dessous, comme vous pouvez le voir sur la map en bas à gauche, on a un coffre à récupérer, on va aller voir ça. Par contre, est-ce que je m'embête à faire tout le tour là? Je vais essayer de grimper là, mais je sais pas si ça va fonctionner. Oh, si, ça marche. Allez, on s'agrippe. Nickel. Est-ce que je peux sauter directement sans souci? Ça me fait un peu peur. Non. On va faire ça intelligemment quand même. Allez, je la fais à la... Ah, speed d'orcelle là, discretos. Et il s'est relevé super vite hein. J'ai même pas eu le temps de lui faire un coup de grâce. Il s'est relevé vachement vite hein, quand même. Donc la petite salle, alors je regarde, on a tout fait. On est bon, on avance. C'est pas le chiche. Alors là, on se retrouve à l'extérieur. Ok. On va déjà vaincre les ennemis aux alentours. On va clean un peu le coin. Sois pas trop embêté. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok, il y aurait 4 parties au niveau du terrain. D'accord. Et j'ai un coffre à récupérer. Ok. On va commencer par aller par là. Je vois qu'il y a un coffre là-haut. Où est-ce qu'il m'emmène? Ah ouais, c'est bon. Ah, est-ce qu'à votre avis, je peux directement grimper sur celui-là?
Oh ouais. Oh carrément quoi. Il y a un petit coffre là-bas, on va le récupérer, impeccable. Ça c'est bon. Un petit rubis rouge, ok. Mine de rien, j'aurais récupéré pas mal de rubis dans ce donjon. Alors je vois qu'il y a la porte en face, ok. Mais je crois que le... Il va pas aller jusque là. Ah, j'ai vu qu'on pouvait aller en face. On va essayer d'aller d'aller en face. Oula. Ah, il y en a en dessous aussi. Parce que là, on est au deuxième étage, en fait. On est au plus haut. Est-ce que je me laisse tomber? Désolé mon pote, hop. Et bim. Ok, ça c'est fait. Ça c'est fait aussi. Il n'y avait pas de coffre ici. Ah non, il est de l'autre côté. Là, il faut qu'on essaye d'aller vraiment en face. Je suis vraiment trop loin à ce point-là. Là, on va se transformer en loup. Je vois qu'il y a une âme de spectre à récupérer. On va récupérer ça. Elle est où? Elle est là. Et un petit coffre juste à côté. On va récupérer ça. Et vous obtenez le tampon du caractère irulien G. Ok. Ça, on a pu le récupérer, impeccable. Bah, ici, il n'y a rien d'autre. Hein. C'était juste la petite salle en bas. Et ça concerne vraiment que le premier et deuxième étage. Après, il n'y a rien. Ok. On va revenir sur nos pas. De la patience les amis, ça va arriver, ça va arriver. Attention, attention, attention. C'est parti. Par contre, je vois toujours pas comment je passe cette salle. À mon avis, il faut que je fasse le tour. À mon avis, ça doit être ça, il faut que je fasse le tour. Parce que là, j'ai bien le coffre au deuxième étage, au premier, j'ai rien. C'est tellement bien pensé le donjon là, comme vous pouvez le voir. Vraiment stylé. Avec les petites parois où vraiment faut bien descendre pour pouvoir passer correctement. Ils ont fait ça parfaitement. J'adore. D'ailleurs, faut bien que je m'oriente parce que je vais me faire avoir. Encore un petit peu. On est pas mal là. Ok, ça passe impeccable. Nickel. On va récupérer le petit coffre. Ah, il est moche lui. Oui, il est moche. Ça, c'est bon. Ok, nickel, ça s'est récupéré. Impeccable. On a vaincu les méchants pas beaux. Les plantes carnivores. J'aime pas du tout. Je trouve super moche, super laid. Et elles font partie du charme de ce Zelda, toi et princesse. Que voulez-vous? Attendez, je suis embêté. Comment je vais pouvoir aller en face sans souci?
telle la question, les amis. À mon avis, il faut que je remonte au deuxième étage. Je crois qu'il faut refaire tout le tour et passer peut-être en face. Peut-être. Allez, on va s'agripper, on va voir ça. Parce que là, je crois que j'ai aucun moyen de m'agripper. Ah, moins que je puisse aller, faites voir. Si on peut atterrir ici, j'ai bien fait d'attendre. Ok, on va pouvoir passer la porte. Allez, on y va. Ah, c'est carrément une salle ici. Ah, je crois que c'est... D'accord. Je crois qu'on était dehors. Ah si, on est bien dehors. Alors, attendez, où je suis là? Où je suis, où je suis? Ok, va falloir s'agripper un peu partout. Je suis bêtement, simplement. J'ai pas trop le choix. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on atterrit, les amis? Là, on va au fin fond du donjon, là. Déjà, lui, on va y mettre sa fessée. Et c'est parti! Il se relève super vite, j'ai même pas le temps de faire un coup de grâce, c'est abusé. Oh là 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 là. Oh là là, il y a Joe Lambrou qui est là, attention. Ça rigole plus. Il y en a un deuxième, apparemment. Nickel. Ça, c'est ce qu'on veut. Impeccable. Il a mis sa fessée. Alors là, j'ai un coffre à l'intérieur, carrément. J'en ai un à l'extérieur aussi, au troisième étage. Comment j'y vais? Comment on fait? Ah, je crois qu'on peut s'accrocher par là. Désolé, mon pote. Désolé, mon pote aussi. Il y a un troisième? Non, je crois que ce sera suffisant. Ok, je crois qu'on en a pas d'autres pour le moment. Là, on va se transformer en loup. On va essayer de passer les cordes correctement. On va essayer de récupérer le coffre qui est à l'extérieur. Est-ce qu'on peut faire le tour? Le coffre, il est là. D'accord. Ah. Ok, 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 il y a un problème. Un problème. Je vois une corde, je vois une corde pour passer l'autre côté aussi. Ok. Alors on se met en mode acrobate. Ok, nickel. Tiens, il y aura une âme de spectre à récupérer. Je sais pas si vous l'avez vu au fond, juste là. Elle est juste ici. On va essayer d'aller chercher ça avec le coffre. Sans tomber. Ça, ça va être le plus dur, ça. Sans tomber. Ouh. Avec... Ok. Ah, comment on fait, là? Oui, c'était pour aller à la salle, mais c'est pas ce qu'on cherche. Je vais pas aller à la salle de suite, je vais récupérer le coffre, là-haut. Ah, faut que je fasse tout le tour, je me suis planté. Alors, on va refaire tout le tour, c'est pas grave. Midona qui baille à moitié, ouais, ok, on sait que tu t'ennuies, y a pas de problème Midona, si tu t'ennuies tu nous le dis. Hein. Fais ce qu'on peut avec les moyens du bord. Elle déconne Midona quand même. Elle était mal éduquée Midona. Non mais oh. Alors, je crois que je vais devoir me retransformer en Link humain. Il y a un petit coffre là-haut. Bon déjà.
va éliminer toutes les araignées qui peuvent traîner dans le coin là. Ouh, je me suis fait peur. J'ai cru que j'allais tomber dans le vide. Ça aurait été dommage. Ça grippait mieux que ça quand même. En plus, je récupère une flèche. Ça, c'est formidable. Il n'y avait rien plus haut. J'ai pas besoin de grimper plus haut. Alors, où est ce petit coffre? On veut tant. On convoite. Tout ça pour des rubis. Ah là 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 là. Catastrophe, catastrophe. Ça c'est mon côté gourmandise qui ressort, qui en veut toujours plus. Toujours et toujours plus. Allez, on va essayer de vaincre le spec qui est au fond là. Faut que je fasse attention quand je vais l'attaquer, je me retrouve pas dans le vide. Il est où? Oh là 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 là. Viens par là mon petit, viens par là, viens voir papa. Viens voir papa. Oh là là, à moi. Je me suis tellement fait avoir sur ce Zelda Twilight Princess que j'ai toujours peur qu'on saute carrément dans le vide. Et là, faut tous retaper. J'ai pas très envie. Si on peut faire ça du premier coup, proprement, correctement, c'est nickel. Vous obtenez le tampon du caractère Hyrulien Z. On a récupéré pas mal de tampons dans ce donjon. Hein. Il y en a pas mal quand même. Et là, faut qu'on aille à la porte. On va devoir refaire tout le tour. Ou alors je vais sauter peut-être. Ouais, on lâche. On est des fous, nous, on lâche. On refait tout, on aime ça. Allez, hop, on grappe là. Cette fois, on va prendre le bon chemin pour aller à l'intérieur. On va essayer de ne pas se planter. Par contre, ce qui m'inquiète, j'ai pas récupéré le coffre tout à l'heure au fond. Faudra qu'on le récupère, faudra qu'on y pense. Vraiment qu'on termine ce donjon. Je me plante là, je refais le même chemin. Ah non, c'est bon, je suis pas planté. Je me vois rediriger vers le coffre, mais non, c'est le bon chemin, c'est vraiment pour aller à la porte. C'est parti. Un peu dur à les combattre là sur le pan du mur. Oh, c'est la clé du boss, les amis. Impeccable. On va essayer de passer comme ça. Avec les grosses bottes, c'est magnifique, on adore ça. Et on récupère la grande clé pour la grande salle. C'est vrai qu'on n'y avait pas parlé. Vous obtenez la grande clé, vous pouvez à présent pénétrer dans la pièce où se cache le boss du donjon. Impeccable. On va pouvoir récupérer ça. On va essayer d'accrocher là-dessus. Si j'arrive à m'orienter correctement. Ah, il faut peut-être du poids. Eh ben nickel. On a réussi à arrêter le fameux ventilo. Et là, je crois qu'on n'a plus rien à faire dans cette salle. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Je cherche un moyen de descendre, en fait. Oh, je m'y attendais pas. Allez, ça c'est fait, nickel.
Un petit coffre à récupérer là. Nickel. On adore ça. Impeccable. Un petit rubis rouge. Ok. Alors, je vois qu'il y a une porte. J'avais oublié des choses. J'ai oublié des choses tout à l'heure. Il manque le petit coffre là-bas que j'ai pas récupéré. On va aller voir si on peut récupérer ce fameux petit coffre. Je m'en trouve où là? On va revenir dans cette salle. Je vais juste récupérer le petit coffre. Si je dis pas de bêtises, faut que je m'oriente sur la gauche. Alors. Ok, on est pas mal. Non, j'ai le coffre juste là. C'était ce coffre-là que je parlais tout à l'heure que je ne voulais surtout pas oublier. Ça se trouve, c'est un quart de cœur en plus, ce serait... Ce serait dommage. Alors, il est sur la gauche normalement. Qu'est-ce qu'on a de beau? J'ai bien fait de le prendre ce petit coffre, surtout quand c'est des quarts de cœur comme ça. Impeccable. On va rechecker tout, voir si j'ai rien oublié. Alors, là, on est bon. Et ben, on va revenir sur nos pas. On va retourner à la salle centrale. Et je crois que les amis, c'est parti, on va pouvoir se diriger au boss. Ça y est, on va pouvoir enfin affronter le boss d'ici quelques minutes. Encore un peu de patience. Une fois que le vent aura terminé de souffler, bien entendu, hein. On y est presque. Alors. Ouais, très important un jour, si vous décidez de faire ce Zelda toi et princesse, ne pas oublier les petits coffres. Ce let's play va vous permettre aussi de vous aiguiller. Là, on est bon. Alors, on va s'accrocher ici. C'est pas ce que je voulais faire. Ce que je voulais faire, c'était m'accrocher là-haut. Bah, comment on fait maintenant? Est-ce que j'ai possibilité de remonter là-haut? Ça me paraît chaud, là. Ça me paraît trop. En fait, l'idée était bonne, mais quand on est sur les lianes, on ne peut pas utiliser le double grappin. Enfin, on peut pas utiliser de grappin tout court, hein, c'est ce qui est embêtant. En fait, il faut juste tout simplement faire ça. Tu t'accroches là. À la mode Mission Impossible. Et là, ça y est, on va pouvoir s'agripper. Et activer le fameux ventilo. Et le vent fuit, les amis. Ça va insuffler de l'air, c'est parti. Enfin, ça va souffler de l'air, surtout. Nickel. Donc, c'est ce qui nous manquait pour pouvoir accéder à la suite. Et là, on va pouvoir aller en face. Il ne reste plus qu'un coffre qui est juste à la prochaine salle. Allez, on y va. Je crois qu'on va devoir s'agripper encore sur les espèces de... Ah non, là, c'est carrément des plates tournantes. Des plaques tournantes, pardon. Ok. Ah.
J'essaie de l'avoir. Bon, on va s'agripper direct. Ah non, il est juste au-dessus de moi. En vrai, là, je peux m'agripper directement. Si on va reculer un peu, on va s'accrocher à celle-ci. Si c'est possible. Ok, un accroché. Un accroché. Ah là, on est carrément dans le vide. Hein. Faut pas se planter. Oh, on y va. Ok, nickel. Oh, je vois qu'il y a un coffre là. Un petit rubis violet, ok, pour terminer sur ce dernier coffre, ce sera un petit rubis violet, ok, pourquoi pas. Ça aurait pu donner mieux quand même. Ah, le petit côté râleur qui est en moi, qui se plaint toujours. Qui en veut toujours plus dans le gaming, toujours plus, des meilleures récompenses, des meilleurs objets. On veut du quart de cœur, merde. Pardon. Alors, oula. Oula, lui il a l'air chaud. Ah, ils sont deux. On va attendre qu'il charge. S'il veut bien charger. C'était l'autre comme par hasard. De l'avoir, on va attendre qu'il charge. C'est parti! Et bim! Boum! Bim! Et bah! On l'a eu! Il m'a l'air un peu haut celui-là à vaincre. Allez, mettons un garde, mon gars. On grappe un peu là. Oh, je suis au taquet, je surveille. Allez, bon, parti. Pourquoi j'ai activé les bottes? Je suis carrément planté, j'ai activé les bottes. Je voulais pas. Allez, on va le terminer. Et voilà, ça c'est fait. Un petit peu galéré là, avec les petits les moyens de grappe. Alors je m'agrippe là, est-ce que c'est une bonne idée? Oulala, ça va tourner les amis, attention. Tour de manège gratuit, c'est parti. La petite visite guidée. Moi, je suis trop loin. Ah, je suis trop loin. Dégoûté. Et nous avons le droit à un tour gratuit. Nous avons eu le pompon. C'est reparti. J'essaie de pas me planter pour le second tour. Le but, c'est pas faire 10 tours de manège, hein, bien entendu. Oh là là, je me suis fait peur. Je vais atterrir là, voir s'il y a besoin des choses intéressantes. Nous avons des rubis, c'est magnifique. On va se réagripper correctement.
Voilà, le but c'est vraiment que l'on monte, qu'on prenne de la hauteur. On va s'accrocher là, on va essayer. Après je vais où? Après faut pas que je loupe, je crois qu'il y avait des coffres. Ah non, c'est juste, il y a juste à grimper. Ok, bah continuons, continuons. On est bien parti. On va peut-être pouvoir s'accrocher juste là au-dessus, mais ça me paraît un peu loin. Ok, on va activer ça. La nouvelle attraction de Zelda Twilight Princess, les amis! Nous sommes à 15 mètres de haut, ça ne rigole plus, attention! C'est le manège de folie! C'est parti! D'ailleurs, quand je pense au manège, enfin avec les grappins, les doubles grappins, il y aura le mini-jeu qu'il faudra qu'on fasse dans la citadelle, où il y a justement des rubis à récupérer. C'est à la citadelle où il y a un espèce de chapiteau, il faudra qu'on y retourne. Je le ferai un épisode avec des mini-jeux. Et là, on y est les amis, regardez, on est devant la salle. On va s'attaquer au boss. Et je pense qu'on va lui mettre la fessée de sa vie. C'est parti, on y va, on est chaud. Let's go. Alors... Où est-ce que je dois aller? Ok. Comment on fait? Alors j'ai passé la porte, c'est super. Mais je vais où maintenant? De s'accrocher quelque part. Non, c'était pas ça qu'il fallait faire. Je voyais du vide en bas, je me suis dit que ça allait être bon. Et là, comment on fait là pour aller J'ai passé la porte, c'est bien. Alors, il y a du vide là, c'est super, ok. Mais comment on passe? Ah, je viens de crier. J'ai compris. Fallait le voir, hein. Je l'avais pas vu tout de suite. Ah, c'est des moments où on peut tourner en rond assez facilement. Allô? Allez, est-ce que vous êtes prêts pour le boss, les amis? Est-ce que vous êtes bien installés? On est parti pour le boss du donjon, Celestia. Et on va lui mettre quelques coups d'épée, ça va lui faire du bien, je pense. C'est parti. Ouais, c'est un dragon, les amis. C'est un dragon. Oh là là. Pyrodactylus Prétosaur. J'ai pas eu le temps de lire. Pyrogène du crépuscule, je crois. J'ai pas eu le temps de lire. Et ben, c'est parti. À mon avis, il va falloir grimper. Si je me souviens bien. Je me souviens d'une histoire où faut grimper jusqu'à aller tout en haut. Ah.
Il est où? Allez, on met du poids là-dessus. Et je crois que ça le fait tomber au sol. Oh là 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 là. Ah, c'est dur, hein. Ah, quand t'as 40 kilos suspendu en dessous de ta gueule, ça fait mal, hein. Ok, va falloir répéter ça plusieurs fois. Je crois qu'il lance des boules de feu, si je me rappelle bien. Allez, on remet du poids là-dessus. Impeccable. Ouh, il a pas l'air content. Il a l'air bien vénère, le dragon, là. Ça va chauffer. Oula, on sent qu'il est énervé. C'est pas la même... Oh là là, les amis. Ça va chauffer, c'est parti. Comme dirait un certain magicien, fuyez, pauvre fou. Non, ne fuis pas. Il ne passera pas, le dragon. Il ne passera pas. On va y mettre sa fessée. Ok. On a les grappes, je sais pas comment ça s'appelle, qui s'installe. Au niveau du ciel, il faudra grimper un peu. Enchaîner là. Qu'est-ce que je dois faire? Ah voilà, on s'agrippe là-dessus. Et bim! 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 On y va! Ok, je sais pas il y a combien de phases. En fait, faut bien contourner. Ouais, du vent. Allez, on y retourne. Il a l'air chaud, il se rapproche de moi, j'aime pas trop ça. Mais allez. Il va pas nous cramer le derrière, ça va aller. Ok. Allez, on va attendre qu'il démarre. C'est qui l'ancrage du feu, hein? Allez, c'est parti. Et bim! Et bim! 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 Il en veut encore? Mais c'est qu'il en veut encore, ce dragon. Ok. Allez, on va se grapper vite avant qu'il nous charge. Oh, j'ai entendu le petit cri, il va cracher du feu chant.
Allez, c'est parti, on y va. On va le cuire, le dragon, les amis. On va le cuisiner, il va finir à la poêle. Ça va être magique, vous allez voir. Oula. Non. Ah, pour le moment, c'est lui qui nous a cuit. Hein. Je me suis fait avoir. Allez, changer de direction. Ok, pas de problème. Une fois, mais pas deux. Je me rappelais plus de ça. Ah, vite, on se grappe avant qu'il nous cuise. Faut que je fasse attention, au moment, il faudra que je change de direction. Allez, on y va. On va l'avoir. On va l'avoir, on va l'avoir. Laisse pas faire quand même, c'est chaud. Je crois, je pense qu'on est bon. On grappe ça. Et bim! 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 Et le dragon est tombé, les amis. Quel moment magique. Et on récupère un cœur entier. Ça, c'est formidable. Et on récupère le plus important qui fait partie de la quête principale de ce Zelda Toi et Princesse. Le dernier fragment du miroir des ombres. Il est là. Enfin, on l'a récupéré. Bien joué, Flamme. C'est le dernier fragment du miroir. Enfin, nous les avons tous. Dis, Flamme, tu te souviens de ce que les sages nous ont dit? Seul le suzerain reconnu par le peuple du crépuscule pourra détruire le miroir des ombres. Tout ce que Xanto a pu faire, c'est briser le miroir en quelques morceaux. D'accord. Ce qui prouve bien qu'il n'est qu'un usurpateur. Donc le miroir, en fait, n'est pas détruit, il est juste brisé en quatre morceaux. Retournons à la chambre du miroir, Flamme. Ok, l'usurpateur a beau se parer et se grimer, il ne reste qu'un imposteur. Il ne peut triompher de l'original et je vais le lui prouver. Midona qui est bien déterminé à savoir qui est derrière tout ça. On va bien évidemment récupérer ce quart de cœur. Et on a terminé pour la deuxième partie de ce donjon. Oui, on veut quitter le donjon Celestia, qui était un très bon donjon, assez long. Du coup, on a fait presque une heure de gameplay, on a fait un peu plus que d'habitude. Mais écoutez, c'est pour la bonne cause, c'est pour mieux rebondir par la suite. Et on arrive à la fin de ce 36e épisode, de l'épisode 36. Donc vraiment très content de vous avoir présenté la deuxième partie du donjon Celestia. On a récupéré également le quatrième fragment pour reconstituer le miroir des ongles. Donc vraiment un très bon épisode. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre les pouces bleus. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce boss sur le donjon Celestia. Il est vraiment très intéressant, moi je trouve, ce boss. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et moi je vous dis à très vite pour le prochain épisode sur Zelda Twilight Princess en HD. Et ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne Les Petits Phoenix, où tu cliques, tu geeks, tu likes, abonnez-vous et je vous dis à très vite. Allez, salut tout le monde!